Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce Let's Discover d'un jeu assez peu connu, enfin connu, on va dire c'est un des personnages les moins connus de Nintendo, mais quand même, il n'empêche que ce personnage assez connu, c'est du Kirby Dream Land sorti en 1992 sur Game Boy, donc l'un des premiers jeux sur Kirby, hein, Kirby le petit bonhomme roux, enfin rose, tout mignon, que l'on peut voir notamment dans les Super Smash Bros. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc on va s'occuper de ce jeu, donc avec Green Gardens. Alors, je remercie quelqu'un qui m'a fait découvrir ce jeu. Il s'agit de Eriusa, je pense que vous connaissez un petit peu son pedigree. Et justement, bah, ça fait. En fait, j'ai vu ça lors d'un live qu'il avait. Enfin, j'avais écouté une de ses musiques qui s'était fait lors d'un live qui s'était déroulé il y a quelques semaines de ça. Et je me suis dit, je vais faire un Let's Discover dessus. C'est vrai que, bah bon, avec les examens, tout ça, j'ai pas pu vraiment le faire. Mais là, j'en profite. Donc, justement, ça va être assez marrant. Donc, j'espère que justement, ça va vous plaire. Alors. Sachant que bien sûr, Kirby, c'est assez. Bah, c'est, bah, oui, la musique est assez féerique, hein. C'est vraiment un univers assez féerique. Et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est un des personnages qui est quand même le plus féerique des Mario. Donc, justement, assez surprenant. Donc, là on a un boss, exactement. Donc, là, on a un boss, c'est ce qu'on va en faire. Voilà, parfait. Concentré. Boum. Voilà, c'est bon. Franchement, c'est simple, en gros. En gros, il y a deux boutons. Il y a le bouton B et le bouton A. Le bouton A permet de faire voler. Et le bouton B permet de relâcher l'air ou les ennemis qu'on récupère via... Enfin, permet d'aspirer, justement... d'aspirer et de recracher les ennemis pour, justement, les envoyer sur les autres. C'est ça, le principe. C'est que c'est assez différent d'un Mario qui, justement... On peut sauter sur les ennemis. On peut pas le faire. On peut pas le faire sur le... sur ce Kirby Dream Land, donc c'est justement assez vraiment essayer de voilà, il faut vraiment essayer d'être le plus correct possible. Également, bah vous avez vu quand même que justement le principe du jeu est pas si compliqué que ça, parce que justement c'est pas si compliqué que ça à jouer, en fait c'est pas c'est vraiment un des jeux les plus faciles que j'ai eu à jouer, et donc franchement je suis assez content que justement je puisse vous montrer ce jeu. Alors on essaie de se concentrer pour éviter de mourir, hein, ce serait quand même pas mal. Hop, on se concentre. Hop, voilà. Également, on peut utiliser l'air qu'on utilise. L'air qu'on jette, on peut également l'utiliser pour justement récupérer tout le nécessaire, enfin récupérer des objets secrets par exemple, comme ici. D'accord, là en fait je pensais qu'il y avait quelque chose, mais non, absolument rien. Et donc également, je vous annonce, c'est un truc que justement je vais vous dire, le let's play de Sonic 2 sera un petit peu avancé, hein. Je pense que ce sera, bah, justement je vous ai dit que c'était dans une semaine, dans 3 semaines, et finalement ce sera peut-être dans une semaine et demie également, en même temps que la fin du let's play de Wario Land, normalement dont le dernier épisode devrait arriver, tant plus carton. Là on arrive au boss, donc on va essayer de se concentrer, voilà le boss. Qui est le fameux je sais pas si vous vous rappelez dans par exemple dans Super Smash Bros, c'est l'endroit où il y a par exemple dans la forêt où il y a plein de vent, c'est exactement ça. Ah putain, je vais mourir. Ah, ça va. Entrer là pour l'instant, ça va. Ah, et non, mais c'est pas possible. Bon, on recommence toujours sur le boss, hein. On va essayer de rentrer. Voilà, on essaie de concentrer pour éviter les gerbes de vent. Ah merde! Oui, c'est bon! Premier boss terminé, bravo! Bien, ça se vient. Parfait!
Deuxième niveau, Castle Lololo. Heureusement que c'est pas Castle Trollolo, j'ai envie de dire. Mais bon, passons. Donc vous voyez, les musiques sont assez, quand même assez bonnes pour de la... pour la Nintendo 64, enfin pour la Nintendo... Enfin pour la Nintendo 64, excuse-moi, oula, je fatigue. Pour de la Game Boy. Et franchement, il n'empêche que ce jeu il mérite quand même son ton de cacahuète. Surtout quand même que c'était un jeu qui était quand même assez surprenant pour l'époque. Justement, qui avait le mérite d'être justement le plus complet possible, je trouvais. Il était quand même assez complet. Et justement, bah, c'est grâce à Hiruza que j'ai découvert ce jeu-là. Et je le remercie beaucoup pour m'avoir fait découvrir, parce que justement, je pense que s'il ne m'avait pas dit ce jeu-là, je pense que je l'aurais jamais vu. En fait, j'aurais jamais connu ce jeu-là. Et justement, bah, je remercie vraiment Hiruza pour ça. Également, j'annonce, bah, je sais pas si vous avez vu la petite annonce, la petite intro qui est au début de la vidéo, bah, c'est Alcanier QC qui me l'a fait. Alcanier QC, je pense que vous connaissez déjà pour Minecraft. Et donc, je vous remercie beaucoup pour justement avoir aidé à la création de cette intro. Sachant qu'également, bah, une autre sortira bientôt avec Meta Iron cette fois. Et pour l'instant, bah, là, donc, justement, elle arrive, donc ça va prendre un peu de temps. Alors là, je crois que je suis arrivé à un... Je crois que j'ai niveau un truc d'invincibilité. Si je me trompe pas, hein, c'est bien ça. Hop, on se concentre. On essaie de se concentrer. Voilà. Là, en fait les niveaux se coupent en deux parties. Il y a une partie avec... et en fait, qu'on arrive à l'étoile, c'est-à-dire qu'on est à la moitié du niveau. Et il y a souvent un mini-boss. Qui est là très facile, puisqu'en fait, il suffit de... utiliser les coffres qu'il lance contre lui, tout simplement. Ah, on va se rentrer. Hop, encore un coup. Yes, c'est bon. C'est bien. Maintenant, on va essayer de se concentrer pour justement arriver au boss de fin, qui est pas le plus facile, hein. Et justement, le jeu est assez complet parce que justement, ça mérite bien. C'est vraiment assez. Comment dire, assez respectueux de l'univers de Kirby, qui est quand même un univers assez féerique. Et c'est rare justement d'avoir un jeu qui respecte en partie le comment dire, l'univers du créateur, en fait. Parce que les Kirby, hein, si vous connaissez un petit peu. Non, mais hé! Mais pourquoi je suis mort? Je suis mort comment là? C'est quoi ce bordel? C'est pas grave, donc on continue. J'avais pas prévu de mourir, hein. Là c'est. Ce truc là qui est mal foutu. En fait, je crois qu'il nous fait tuer la moitié de leur vie, quoi. La moitié de la vie pour ça? Putain! Oh, mais c'est pas possible. En plus, j'arrive au boss, quoi. Oh putain. Je vais mourir, je le sens. Je le sens trop. Et voilà, j'ai encore perdu une vie. On revient. C'est chiant parce que il faut bien anticiper. Parfait. Il n'y en a plus qu'un. Je crois que j'ai tué l'un, mais pas l'autre. Non. Faut se concentrer parce que là, il ne me reste plus qu'une vie, donc c'est-à-dire que si je meurs, c'est la fin. Ouf. Putain, je risque la mort là. Je risque la mort à tout moment. Ah! Non! Dégage! Fais pas de bêtises, Kirby, fais pas de bêtises. C'est quoi entrer. Il arrive. Oui! Oui, deuxième boss terminé! Bon, ça s'est pas joué à grand chose, mais j'ai terminé. Parfait. Troisième niveau, Float Islands.
Oh, c'est bon ça. J'ai déjà les animations de Kirby quand même. Les animations de Kirby sont quand même assez drôles quand même, je trouve. Surtout qu'elles sont assez respectueuses du truc quoi, c'est vraiment. Oh, ça sent trop le. Ça sent trop les. Oula. Tu vois pourquoi je sens que je vais me faire tuer. On va essayer de se concentrer parce que. C'est vrai que le jeu est assez différent du jeu. Qui peut exister sur. Sur Game. Enfin, sur. Sur le. Comment dire. Le jeu qui peut exister est assez différent de ce qu'on peut avoir. Sur justement les consoles nouvelle génération. Et ça n'empêche que ce jeu est quand même assez jouable hein. Il est quand même pas injouable et franchement bon. Je crois que je suis mort. Il reste encore une vie. Donc pour l'instant je ne suis pas mort mais je prêche jusqu'au game over. Et puis après si j'arrive au game over tant pis. Vous verrez quand même comment se débrouille un jeu ce jeu là. Qui est vraiment un jeu que je vous conseille parce que il est assez surprenant en fait. Le jeu est assez surprenant. Parce que le principe du jeu est assez surprenant pour un jeu de l'époque. Et il n'empêche que c'est le jeu qui a fait découvrir Kirby à la majorité des gens. Surtout que Kirby était quand même le jeu, enfin le personnage de Mario qui... Moi je suis mort. Bon voilà c'est clair, bon bah j'ai perdu. Game over, donc voilà c'est fait. Et donc voilà c'était ce petit Let's Cover et je remercie beaucoup parce que c'est vrai que c'était vraiment assez intéressant et que je me suis quand même bien amusé. Et je remercie encore Iruza pour m'avoir découvert ce jeu, Alcanir QC pour l'intro, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, qui sera sûrement le premier épisode du Let's Play de Wario 2, Super Mario, Sonic 2, excusez-moi, Sonic 2, longue version, et on se retrouve juste après. Bonne soirée à tous, c'était TGF, stay tuned!